Monsieur le Président de la Transition, je vous prie très respectueusement de bien vouloir prononcer votre discours de circonstance. Avant de vous prononcer mon discours de circonstance, je voulais tout de même rappeler à notre éminent greffier que je suis également un produit de l'USTM. La précision est de taille pour mes étudiants. Je pense que la précision est de taille pour nos étudiants. Mesdames et messieurs de la presse, mes chers aînés, chers amis, messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers, militaires du rang, mesdames et messieurs, vos rangs, grades et qualités respectés. Gabonais, Gabonaises, mes chers compatriotes, je voudrais commencer cette allocution en m'adressant d'un cœur reconnaissant une action de grâce au Dieu Tout-Puissant. C'est grâce à ses bontés sans cesse renouvelées que notre pays, le Gabon, que nous pouvons fièrement nous tenir ici ce matin, dans cet hémicycle du palais de rénovation du bord de mer. Ce même Dieu qui nous a parlé le matin du 31 août 2023 et qui continue de nous parler est celui qui a conduit nos pas jusqu'ici. Permettez-moi de rappeler à votre souvenir les paroles prononcées par feu Omar Bongo Ondimba dans cette salle au terme de 42 ans de règne après feu Léon Mba, premier président du Gabon. Il disait « Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe. Il dit, amusez-vous le jour où il viendra aussi vous sanctionner, il le fera. Cette phrase remplie de sagesse était en réalité la voix de Dieu qui a fini par accomplir sa volonté pour le peuple gabonais aujourd'hui. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, permettez-moi d'exprimer mes sincères remerciements à tous ceux qui, nombreux, très nombreux ont effectué le déplacement pour prendre part à cette cérémonie d'investiture. J'ai une pensée particulière pour tous les Gabonais de la diaspora qui suivent cette cérémonie de là où ils sont. Mais j'ai surtout une pensée spéciale pour tous nos compatriotes qui auraient rêvé vivre ce jour, mais nous ont précédés dans l'au-delà,
Je pense à tous les partisans du changement et de l'alternance, Simon Oyonnaba. Martine Oulabou. Pierre-Louis Agonjo-Okawe. Pierre Mamoundou Mamoundou. André Mbaobam. Pour ne citer que ceux-là. Comme disait l'ancien président ghanéen, Jerry John Rawlings, quand le peuple est écrasé par ses dirigeants, avec la complicité des juges, c'est l'armée qui lui rend sa liberté et sa dignité. C'est fort de cet esprit que le 30 août 2023, telle une météorite dans la nuit noire, les forces de défense et de sécurité de notre pays ont pris leurs responsabilités en refusant le coup d'État électoral qui venait d'être prononcé par le Centre gabonais des élections à la suite d'un processus électoral outrageusement biaisé. C'est sans aucune violence, sans heurts et sans effusion de sang que le Comité pour la transition et la restauration des institutions, en abrégé CTRI, a changé le régime en place, qui confisquait le pouvoir des institutions de la République depuis plusieurs années, au mépris flagrant des règles démocratiques. Cette action patriotique inédite restera sans doute un cas école dans les annales de notre histoire. L'armée républicaine s'est inscrite dans le refus de cautionner la forfaiture qui aurait, une fois de trop, coûté la vie à de nombreux citoyens. Le peuple gabonais demande tout simplement ses droits, que ses droits soient garantis à travers des institutions fonctionnelles. Les forces de défense et de sécurité avaient un double choix, soit tuer des Gabonais qui auraient légitimement manifesté, soit mettre fin à un processus électoral pipé, dont les conditions du déroulement ne permettaient d'ailleurs pas l'expression d'une démocratie. C'est en toute liberté et responsabilité que nous avons dit non. Plus jamais ça dans notre beau pays, le Gabon. C'est l'occasion pour nous de remercier le soutien du peuple qui, de manière spontanée, a adhéré à cet acte patriotique. Notre étonnement est grand lorsqu'on entend certaines institutions internationales condamner l'acte posé par des soldats qui n'ont fait que respecter leur serment sous le drapeau. Sauver la patrie au péril de leur vie.
Desmond Tutu disait, je cite, « Si vous êtes neutre devant une situation d'injustice, c'est que vous avez choisi d'être du côté de l'oppresseur. » Nos forces de défense et de sécurité, nous avons choisi d'être du côté du peuple et de la liberté. Comme le général de Gaulle jadis pour la France. Chers compatriotes, la Constitution est le texte fondateur d'un État. Elle consacre ses institutions, ses procédures particulières. Or, ces mécanismes de représentation n'arrivaient plus à mettre notre sécurité en situation de vie, de suivre. Il est donc important que les Gabonais de toutes les couches s'accordent pour adopter une nouvelle constitution par référendum. Ainsi qu'un nouveau électoral. Et un code pénal fiable. Qui garantissent à tous les mêmes chances. Notre pays, le Gabon, mérite des institutions fortes, crédibles, une gouvernance assainie, plus en phase avec les normes internationales en matière de respect des droits humains, des libertés fondamentales, de la démocratie, de l'état de droit. Je souligne par ailleurs que le Gabon est un pays indivisible dans sa diversité, de ses cultures, sa complexité ethnique et sa géographie. L'unité de notre peuple doit toujours être la condition essentielle pour l'exercice de nos libertés fondamentales. J'y verrai personnellement durant toute la période de transition. De même, je m'engage à ce que les relations séculaires entre les Gabonais et nos frères étrangers soient toujours des relations de grande amitié, de tolérance et de la concorde. La politique et l'administration dans un pays sont des domaines de la souveraineté nationale. Le dire n'est nullement de la technophobie. Mes chers compatriotes, depuis quelques jours, le Comité pour la transition et la restauration des institutions a entrepris des consultations avec toutes les forces vives de la nation. Les préoccupations soulevées sont légitimes et limpides. Aussi, avec le gouvernement qui va être mis en place dans quelques jours, composé de gens expérimentés et de personnes à la compétence avérée, nous allons nous atteler à donner à tous des raisons d'espérer à une vie meilleure. Ici et maintenant, je m'engage solennellement à ne ménager aucun effort pour qu'à l'issue de cette transition, notre pays, le Gabon, soit doté d'institutions fortes, démocratiques et crédibles.
Chers compatriotes, en droit international, on dit que les relations entre États sont au-dessus des personnes. Autrement dit, les hommes passent, les États demeurent. Le Gabon a été un des membres fondateurs de nombreuses organisations régionales et sous-régionales. Il entend à ce titre jouer pleinement son rôle dans le concert des nations. Peuple gabonais, aujourd'hui, les temps heureux rêvés par nos ancêtres arrivent enfin chez nous. Il faut donc un changement profond issu de notre réflexion commune. C'est pourquoi j'instruis déjà le futur gouvernement à réfléchir sans délai sur les mécanismes à mettre en place afin de faciliter le retour au pays de tous les exilés politiques. Rétablir la bourse pour les élèves du secondaire. Amnistier les prisonniers d'opinion. Financer l'économie nationale avec les partenaires locaux et les institutions financières locales. Créer une synergie avec l'accompagnement des banques locales pour le paiement des pensions des retraités. Réviser les conditions d'attribution de la nationalité gabonaise. Réviser les lois du foncier en République gabonaise. À l'issue de cette transition, avec l'apport de tous les Gabonais, partenaires au développement, nous entendons remettre le pouvoir aux civils en organisant de nouvelles élections libres, transparentes et crédibles dans la paix sociale. Hommage au père fondateur de notre belle nation, peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie.
Armstrong Agaya, le général de brigade Brice Oligui-Nguema, ovationné pour ce premier discours en tant que président de la transition, lui qui a reçu tous les attributs liés au pouvoir, le président de la transition qui a donc en premier lieu remercié Dieu, à qui il accorde une place de choix, parce que il faut le rappeler, ce sont les confessions religieuses qu'il a reçues en première position. Ensuite, il est revenu sur Omar Bongo, on l'a dit, en parlant de son parcours qu'il a servi aux côtés d'Omar Bongo. Feu Omar Bongo, donc deuxième président du Gabon. Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Une phrase qui est d'ailleurs devenue mythique, Armstrong Agaya. Il a dit qu'il était temps pour les fils du pays de faire de cette phrase une réalité. La voix de Dieu avait parlé par le Père et donc il fallait qu'elle soit mise à exécution, cette pensée d'Omar Bongo, une pensée aux illustres disparus. Armstrong Agaya, comment nous pouvons pas oublier les illustres disparus? Martin Oulabou, Simon Oyonaba, Pierre Mambundu, Pierre Angonjo Okawe, André Mbaobam, Armstrong Agaya, ce sont les signes que nous sommes dans une nouvelle ère. Oui, Maria Biyogo, les signes que nous sommes dans une nouvelle ère. Le président de la transition, le général de brigade de Brice Clotaire Oligui-Nguema, vient de donner son premier discours, empreint bien sûr de son année. Mais beaucoup plus de décision, parce que ce dernier vient d'évoquer un certain nombre de sujets qui étaient restés en travers de la gorge des Gabonins. On pense par exemple aux jeunes apprenants. Brice Clotaire Oligui-Nguema vient d'annoncer la réinstauration de la bourse, par exemple, pour ceux du secondaire. Il vient d'annoncer un certain nombre de mesures, telles que sur le foncier au Gabon. On va revenir, Maria Biyogo, après bien sûr l'hymne national. Maximum de vassaux, s'il vous plaît. Armstrong, une belle exécution de l'hymne national par tous les participants d'ailleurs qui accompagnaient le président de la transition et nous avec, hein, on l'a fredonné cet hymne national qui nous soulève, qui vibre et nous soulève. Le Gabon, le président de la transition l'a rappelé, est indivisible. Il est important de le dire parce que, comme je le disais déjà, par ailleurs, les tensions sociales prévalaient et même les frères d'une même famille n'arrivaient plus à se dire bonjour. Aujourd'hui, ça y est, une aurore se lève, un jour nouveau se lève, une ère nouvelle est en train d'être écrite au niveau du Gabon. Marielle Biyogo, d'ailleurs, à entendre les cris et à entendre la liesse populaire, on peut tout de suite, sans risque de se tromper, affirmer que cette prestation de serment du président de la transition est acclamée de belle manière, de forte manière, par toutes les populations gabonaises. On voit bien que le président de la transition est désormais rentré en fonction, des mesures viennent d'être annoncées, et pas des moindres. Nous le disions il y a quelques instants, à l'exemple, bien sûr, de la réinstauration de la bourse qui avait été coupée durant de nombreuses années, sans explication aucune, alors que ce qui était
évoqué, c'était les questions de récession économique, pendant que à ce moment-là, d'autres, certainement, cela coulait douce. Et donc, aujourd'hui, c'est un nouveau Gabon, et Gabon qui va vers une égalité, une véritable égalité, pour donner la chance à tous. Et donc, on voit Msonga Gaya, la fille d'Angonjo, de Pierre Angonjo Okawe, saluer le président de la transition, qui est d'ailleurs juge constitutionnel. Oui. Et on peut remarquer l'attention qu'il lui accorde, on peut remarquer également l'émotion sur le visage de ce juge constitutionnel. Oui, Marielle Biyogo, il faut simplement le dire, lorsque le président de la transition, lors de son discours il y a quelques instants, a cité ces pères de la nation, ces personnes qui ont lutté pour emmener le Gabon vers sa libération, ce dernier a souhaité rappeler aux uns et aux autres que l'on n'oublie pas tous qui participent, bien sûr, dans le processus de démocratisation, tous qui ont participé au processus de démocratisation de la nation. Et donc aujourd'hui, c'est un réel honneur que vient d'offrir le président de la transition aux personnes qui sont des familles de ceux et celles qui ont souvent été là aux premières heures de défense pour la nation gabonaise. Et donc le général de brigade Brice Clotaire Oligingema est un homme fort d'esprit, de caractère, mais surtout qui là vient d'évoquer les points qui, à son niveau, ont semblé être urgents. La question du foncier, par exemple, alors que la photo de famille est en train de se faire avec les juges constitutionnels. Le général Oligingema est revenu sur la question de la libération des prisonniers d'opinion au Gabon. Cette question qui a souvent été évoquée, puisque pendant qu'il était clamé une réelle liberté d'expression, certains, lorsqu'ils s'opposaient au régime en place, se retrouvaient finalement entre les quatre murs de la prison centrale. Donc, c'est un changement de paradigme qui est exprimé aujourd'hui. C'est un changement de Gabon. C'est le Gabon nouveau. On parle même des exilés. Brice Clotaire Oligingema l'a dit, il faudra mettre en place des mécanismes pour ramener au Gabon ceux qui sont aujourd'hui des exilés politiques, qui ont quitté leur pays fuyant, craignant bien sûr de se faire interpeller à cause de leurs opinions politiques. Et d'ailleurs, certains en ont fait les frais il y a quelques années de cela. On a vu par exemple à l'écran d'anciens aux cadres de la République qui ont été libérés il y a moins de 3 ou 6 mois de cela, mais qui se sont retrouvés entre les quatre murs de la prison centrale parce qu'ils avaient des opinions divergentes par rapport à celles du pouvoir précédent. Donc aujourd'hui, c'est un nouveau souffle pour le Gabon. C'est une nouvelle direction qui est donnée. Et donc les Gabonais n'ont qu'un seul mot, n'ont qu'une seule expression. Attendre de voir maintenant la concrétisation de toutes ces décisions annoncées par le général de brigade Brice Clotaire Oligingema. Donc les photos de famille se font toujours actuellement avec tous les hauts gradés, donc les généraux des forces de défense et de sécurité qui sans aucune restriction ont adhéré à cette décision de prise de pouvoir par la force des militaires au lever du jour le 30 août dernier. Marielle Biyogo. On le voit, les hauts gradés de l'armée, comme vous l'avez dit, Amson Gagaya, des forces de défense et de sécurité qui saluent le président de la République, qui ont fait leurs photos de famille. On voit la... Voilà, Marielle Biyogo, on a l'épouse. Oui, la